faire des efforts, régler tout ça. On est en live. Mais il est pas 20h, putain, je suis en avance quoi. Ça a pas arrivé, et ça a pas dû arriver depuis 1980, au moins. Ah, un problème? Non, ça doit être le jeu qui fait ça. On va faire comme si on voyait rien. Petit effet de flou au premier... au premier plan, ça fait bizarre. Square Enix, Square Enix, Square Enix. Le bot est là. Hey, salut Chilo! Bienvenue sur Backel Live. On est en live. On est sur Backel. On a du son, on a de la vidéo. On est presque... Oh putain, c'est l'heure. Hey, bonsoir à tous, bienvenue sur Backel Live. Il est 20h, on commence notre découverte de Octopath Traveler, le RPG sorti par Square Enix sur la Switch. La Switch, cette petite console portative de salon. Et ce soir, nous allons voir ce que donne le soft, tout en se disant que, vu que je suis un grand fan de RPG, je suis déjà mal parti pour dire que c'est de la merde.
Donc soyons d'accord, il a déjà plus 5 points. C'est normal, c'est les stats obligatoires sur le Bacchanal Live pour les RPG. Du coup, on commence avec une petite plume. Et nous pouvons choisir le héros avec qui on veut commencer. Action spéciale, séduit. Orberk, défié. Défense accrue. Défense accrue. Franchement, il a la classe, Cyrus. En plus, le jeu t'invite clairement à commencer avec lui parce que tu commences, t'es ici. Enfin, je veux dire, tu commences, t'es par là. Du coup, tu vois que lui. Enfin, je veux dire, le jeu te dit commence par Cyrus, quoi. Cyrus. Action spéciale, scruté. Le talent, les études. Vous êtes un érudit du nom de Cyrus. Enseignant à l'Académie Royale, vous vous intéressez par-dessus tout aux livres et aux mystères. Aux grandes dames de vos nombreuses admiratrices. J'ai encore tant à apprendre. Un jour, la disparition d'un certain ouvrage des archives pique votre curiosité insatiable. Du coup, si j'appuie sur les bons boutons, ça serait mieux, non? Non mais clairement, regardez, regarde, franchement, le jeu t'invite à commencer avec Cyrus, regardez. Hop, Cyrus. Donc on va commencer avec Cyrus. Ah putain, j'ai mis les voix en japonais, est-ce que les sous-titres sont automatiques ou pas? Parce que sans sous-titres, on va galérer un petit peu sa mère quand même. Et c'est ainsi que Digdin fut fondé il y a environ 2 siècles. Digdin, c'est pas terrible. Digdin. Digdin. Digdin, c'est cool. Notre belle cité-état compte parmi les plus anciennes du continent d'Orstrea. D'Orstera. Mais il existe une autre cité-état à l'histoire aussi longue et noble que la nôtre et qui connut une fin tragique. Il y a 8 ans seulement. 8 années, 8 personnages, 8 chemins différents. Qui peut me donner son nom? Thérèse, peut-être? Je crois que c'était... Allons, vous n'avez pas à vous sentir gêné. Il n'y a aucune honte à reconnaître ces lacunes. Tant que l'on a le désir de les combler. La réponse se trouve dans votre manuel. Allez-y, cherchez-la. Oui, professeur. Elle est tellement triste. Je pense que ça, c'est les deux conquêtes qu'il a et qui sont un peu tristes de voir qu'il ne s'intéresse pas aux femmes. Voyons. Je pense qu'il s'agit de Kornebourg. Bonne réponse. La cité de Kornebourg était gouvernée par une famille royale qui, dit-on, descendait des prêtres d'une religion depuis longtemps oubliée. Notre belle Digdin, en revanche, fut fondée par l'un des premiers clans à élire domicile dans les basses plaines. Qui peut me dire combien de clans peuplaient les basses plaines à cette époque? Votre Altesse? Si l'on en croit les histoires, les basses plaines étaient alors occupées par 8 clans différents. Le chiffre 8 a l'air vachement important quand même. Bonne réponse, Votre Altesse. Les basses plaines ont longtemps été déchirées par la guerre acharnée que se menaient ces 8 clans. Ah non, tu mets un 2 là. Non, fallait mettre un 8. Tu déconnes, tu déconnes.
Puis il y a 2 siècles, les armées de grands ports envahirent ces territoires. À l'époque, les dirigeants de grands ports cherchaient à étendre leur influence vers l'intérieur des terres. Ironie du sort, cette agression poussa les tribus belligérantes à mettre leurs différends de côté pour s'unir contre leur ennemi mutuel. Oh, mais je n'avais pas vu l'heure. Nous reprendrons cette leçon la prochaine fois. Du coup, c'est très intelligent parce que, en fait, avec ça, on apprend les bases de ce qui se passe dans le monde. On sait que, bien que le monde soit unifié, visiblement, il y avait 8 clans. Et il y a eu pas mal de guerres, pas mal de conflits, qu'il y a une cité-état qui a disparu il y a 8 ans. Et on ne sait pas pourquoi. Et préparez-vous à répondre à des questions sur leur contenu. Oui, professeur. C'est plutôt intelligent. Merci encore une fois pour cette leçon des plus enrichissantes, professeur Albright. C'est comme la marque de dentifrice. Oui. Professeur Albright, vous avez un message de la Bibliothèque Royale. On vous a donné l'autorisation d'accéder aux archives spéciales. Oh ouais, des livres. Fantastique! Je vais enfin pouvoir commencer mes recherches. Maintenir pour ignorer. Mais on veut pas ignorer. La bibliothèque est juste à l'extérieur du palais. Ne perdons pas un instant. Des livres! Non, non, laisse-moi bouger, s'il te plaît. Ah. Du coup, t'as TP le... D'accord. Du coup, les points verts, c'est la suite de l'histoire. Les points orange, c'est un récit annexe. Les points de sauvegarde, c'est des plumes. Et des objets cachés se trouvent sous des points d'exclamation bien visibles. Accès aux zones adjacentes. D'accord. Puis sur R pour afficher ou masquer la minimap. D'accord. La minimap qui est bien sûr sous ma tête. Merci Baka. Pour ton travail de merde. 150. 175. 190. Pas mal. Pas parfait, mais pas mal. Les gens n'y verront que du feu. La caméra en format photo d'identité sur Bacal Live. Du coup, on peut courir. On a un accès à la carte et au menu. La carte est très très belle quand même. La petite horloge au nord là est très très bien animée. Il faut savoir reconnaître les talons d'un jeu. Il faut que j'arrête d'appuyer sur B en fait. Ça va être sympa. Du coup on a le journal des aventures. Oh, voyager rapidement. Ouais. C'est bien. On a l'inventaire. L'équipement de notre personnage. Notre personnage qui est équipé de bâtons et qui pourrait avoir un bouclier. Il faudra qu'on y pense. Parle-moi, je veux être ton copain. D'accord, s'il a pas une petite bulle, le monsieur ne veut pas me parler. Ok. Ça va, j'étais en train de faire de l'érudition et de la connaissance. Ouais, ben. C'est lui qui a créé l'Académie Royale et la bibliothèque où des gens de tout horizon peuvent venir se cultiver. D'accord. D'accord, tu veux pas me voir, tu veux pas me voir. Je peux te forcer, hein. Salut, ça va? Tu rentres? Oh! Ah ça, par contre, c'est... Très très bien, regardez. Vous rentrez dans une pièce, hop, elle est visible. Le décor apparaît, et là, il disparaît. Disparu! On me fait, ouais, mais c'est normal, on est quand même sur Switch. Oui, en effet, on est sur Switch. Thérèse. Mon étudiante préférée. Je m'appelle Rico. Professe.
La deuxième élève préférée. Professeur Albright. Elle se cache. Le ciel soit loué, vous n'êtes pas encore parti. Je craignais d'arriver trop tard. Que puis-je faire pour vous, Votre Altesse? Si vous avez un instant, j'aimerais vous poser une question sur ce que nous avons appris aujourd'hui. Mais bien sûr, Votre Altesse, je me ferai un plaisir de vous donner des précisions. Sachez que mon rôle de précepteur me tient tout autant à cœur que mes recherches. Malheureusement, je n'ai garde temps à vous consacrer. S'agit-il d'une question rapide? Oui, professeur, je ne vous retiendrai pas longtemps. Je m'interrogeais sur la religion qui était autrefois pratiquée à Kornburg. Pourquoi? Pouvez-vous me dire sur quoi portaient ces croyances? Excellente question, Votre Altesse. Je crois toutefois que la plupart des textes détaillant la nature de cette religion n'aient été brûlés ou perdus lors de la chute de Kornburg. Oh. Je vois, c'est bien dommage. Néanmoins, j'ai ma propre théorie. Je pense que les membres de la famille royale de Kornburg étaient les gardiens d'une puissance ancestrale. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas là de spéculations sans fondement. Ma théorie est étayée par... Ah, du coup, triste. Je m'excuse de vous avoir retenu, professeur. Nous poursuivrons cette conversation une autre fois. Ouais, mais quand je suis libre. Avec plaisir, Votre Altesse. Albright. Ce genre de questions dénote d'un esprit vif et curieux. Je trouve vos leçons d'histoire tout simplement fascinantes. Car si je ne tire pas des enseignements de notre passé, comment puis-je espérer mener mon peuple vers un avenir brillant? Prends du dentifrice. C'est une philosophie des plus admirables, Votre Altesse. Nous avons beaucoup de chance d'être gouvernés par une souveraine douée d'autant de sagesse et de bonté. Et je m'estime moi-même privilégié de pouvoir vous servir à ma manière. Vous êtes trop aimable, professeur Albright. Je suis fier d'être votre élève. Oh, je vais être en retard. N'oubliez pas de faire vos devoirs, Votre Altesse. Bien sûr que non, professeur. Oh, bonjour, Thérèse. Aviez-vous une question à poser, vous aussi? Je voulais... Non, rien. Au revoir, professeur. Un câlin? Mais t'es niais, sérieux? Comment tu vois pas qu'elle voulait te faire un bisou? Vous pouvez retourner? Il y avait des coffres. J'ai une grande passion pour les coffres. Je sais pas si je vous en ai parlé. C'est que les coffres, pour moi, c'est... Ah. Vous êtes au palais royal de Deng Deng. Si vous voulez vous diriger vers l'est en sortant du palais, vous arriverez à l'académie royale. La bibliothèque se trouve à l'ouest. Du coup, il faut qu'on aille à l'ouest, les amis. Mais d'abord, les coffres. Une herbe d'éveil. Une prune stimulante. Et un raisin curatif. Manger 5 fruits et légumes par jour. Qu'est-ce que vous me voulez? Je n'ai rien qui pourrait vous intéresser, c'est vrai. Je suis désolé. J'ai rien fait, c'est pas moi. C'est typiquement japonais de rien voir, voir les faits, ouais. C'est très très japonisant, ouais.
Attendez, je retourne. Regardez comment ils ont géré les niveaux en fait. Vous voyez, quand vous vous approchez, vous montez, ça devient flou au fond. Et hop là. Classe. Allez, cache-toi, Chilo. Je comprendrais le unfollow là. Par contre, oui, j'assume totalement ma calerie. Russell n'est pas du genre robuste, je ne sais pas pourquoi il a accepté de prendre de tels risques. Bonjour Mercedes. Je suis Sirius Albright. Prêt à explorer les archives spéciales. Le mec se présente à chaque fois qu'il rentre quelque part. Oh, professeur Albright. Vous m'avez l'air plein d'ardeur aujourd'hui. Je viens de rencontrer un petit garçon. J'ai appris que l'on avait fait un don d'un exemplaire de l'histoire exhaustive de l'église de la flamme sacrée. Je tenais à être le premier à le voir. Vous êtes mieux informé de notre collection que nous autres bibliothécaires. Signez ici. Certainement. Pour un homme considéré comme l'esprit le plus brillant de l'Académie Royale. Vous êtes aussi surexcité qu'un écolier lorsque vous parlez de littérature. C'est bien la première fois que l'on me décrit ainsi. Mais c'est vrai que j'ai tout d'un enfant fasciné par un nouveau jouet. La perspective d'acquérir de nouvelles connaissances suscite toujours mon enthousiasme. Ça, je n'en doute pas. Il n'y a qu'à voir votre visage. Bien, tout semble en ordre. Je vous souhaite une bonne lecture, professeur. Merci beaucoup. Soyez certaine que je vais m'en donner à cœur joie. Bah, je sais pas, mais si c'est des lanternes dans une bibliothèque, c'est juste ignoble, quoi. Arrêtez. C'est étrange. Je ne vois le livre nulle part. Quelqu'un l'aurait-il rangé à la mauvaise étagère? Il n'est pas là non plus. L'accès aux archives est sous surveillance constante. Où a-t-il bien pu passer? Il doit y avoir un passage secret. Cyrus-san. Professeur Albright, le directeur souhaite vous voir immédiatement. C'est bien le moment. Puis-je vous demander un service? De quoi s'agit-il? L'ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure semble avoir disparu. Pourriez-vous essayer de me le trouver? Il a disparu? Comme c'est curieux. Je vais le chercher tout de suite, professeur. Merci beaucoup, ma chère. C'est chiant parce qu'en fait j'ai toujours l'habitude de commencer à bouger mon personnage pendant les scènes et du coup ça marche. Pouvez-vous appuyer sur B pour ignorer? Sirius Albright, ici, à votre demande, monsieur le directeur. Entrez! Oh putain, lui il a les yeux très très rouges là. Oulala. Je m'excuse de vous avoir convoqué ainsi soudainement. Regardez, il a pas une tête de méchant, sérieux? Regardez-moi ça. Ah, il est en train de pisser du sang par les yeux.
Puis-je vous être utile, monsieur le directeur? Ce traité sur les études occultes que vous avez publié. Par tous les dieux, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Je te vous demande pardon. Ma foi, je pense avoir exposé mon hypothèse très clairement. Je ne parle pas de votre hypothèse. Vous avez délibérément cité l'un des textes de nos archives spéciales. Le savoir enfermé dans ces ouvrages est le plus grand trésor de l'Académie royale. Il n'est pas fait pour être divulgué comme bon vous semble. Je ne vous permettrai pas de le galvauder ainsi dans vos études ineptes. Je suis conscient de la valeur de ces ouvrages, monsieur le directeur. C'est pour cette raison précise que je m'efforce de partager ce savoir avec mes pairs. Vous n'avez pas à le partager avec qui que ce soit. Ce savoir appartient à l'Académie et à elle seule. Mais cela va à l'encontre de tout. En voilà assez, Sirius! Il fera la sourde oreille à mes meilleurs arguments. Pour le directeur, le savoir est comme une médaille ou une pierre précieuse. Une chose dont seul le propriétaire légitime peut profiter. À ses yeux, le savoir est une force et la force doit être amassée. Une bien triste attitude. En même temps, t'as vu ses yeux, mec? Il va mourir, le gars. Arrête! Je vous présente mes plus sincères excuses, monsieur le directeur. Pas de ça vous produira plus tard. Avez-vous besoin d'autre chose? Ce sera tout, vous pouvez disposer. Un instant, j'ai failli oublier. Oui. Il me semble que les archives spéciales doivent fermer plus tôt que d'habitude aujourd'hui. Si vous avez des recherches à y mener, je vous conseille de ne pas tarder. Oh oh, ça sent le piège ça. Bonté divine, c'est comme s'il se complaisait à me tourmenter. Merci pour votre sollicitude, monsieur le directeur. Dans ce cas, je vous laisse. Il faut que je prenne une image de flèche, en fait, pour vous montrer les points de détail qui m'agacent. Attendez, je cherche... un truc classe, tu vois. Twing, twing, twing. Grâce au Grand Mario. Nous aurons bientôt... comme quoi, attends, dans 30 secondes je te montre ma chilo. Juste le temps de la mettre dans le dossier du Bacal Live. Ouais, c'est très très bien organisé sur mon PC. Le problème c'est que ça manque d'organisation. Bah, je suis très clair. Le Bacal, hop. Du coup, on prend une nouvelle image. Hop. On va l'appeler main. Enfin, dans mon dossier image, Bacal, main. Elle est un petit peu grande. On la réduit. Oui. Ça. On est bien. Et, temporairement, on la cache. Entrée. Excusez-moi, monsieur le directeur. Ou je sens que la secrétaire va y passer. Voilà. Alors, typiquement... ah non, c'est Thérèse. Typiquement, regardez. Regardez les yeux du type. Je veux dire, ils ont l'air rouges quand même. Rouge dans un RPG. Rouge méchant. Outre son comportement de vieil emmerdeur, on sait déjà que c'est un méchant. Mais regardez encore.
Qu'y a-t-il, Thérèse? Regardez là! Là! Franchement, ils auraient écrit « Je suis le méchant » en haut au-dessus, là. Voilà. Enfin, je veux dire, on y est. Voilà. Je sais pas si vous le voyez, le truc, quoi. Enfin, le mec a les yeux rouges, ici et ici, quoi. Je veux dire, là, tu peux croire que c'est un petit défaut. Tu te dis, bon, le mec, il a les yeux rouges, c'est un petit défaut de texture et tout. Mais sur le tableau aussi, il a les yeux rouges. C'est écrit « Je suis le méchant », non? Je joue à des RPG depuis quelques années et j'ai jamais vu un truc aussi bien écrit, quoi. Regarde, c'est même écrit sur le... Voilà. Bon, toujours est-il. Thérèse. C'est à cause du café. Ouais, bien sûr, Alucard. Alucard, t'as perdu un bon moment où j'ai rigolé, quand même. C'est à propos du professeur Albright, monsieur. Hey, salut Alucard. Bienvenue sur Bacal Live, le live du pervers. Et bienvenue à l'Académie Royale, notre plus grande fierté. Riche ou pauvre, nous accueillons tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Attendez. Du coup, on va pouvoir montrer à Lucarne. Ah, t'étais là. Du coup, t'es au courant. Mon personnage aime les petits garçons. Juste pour toi, Lucarne. On y retourne. Parce que je me dis que quitte à me faire striker ma chaîne, autant que ça soit pour de bon, quoi. Attention, c'est parti! Franchement, arrêtez de me faire ça! C'est impossible, vous pouvez pas continuer comme ça. C'est pas normal, les enfants. Il faut que ça arrête. Ding ding. Du coup, on peut sortir de la ville. Ah non, c'est toujours la ville. J'ai envie de vous baffer. Et dire que je suis en train d'héberger le live de cet homme. Non, mais on fera comme si tu l'avais pas vu, Lucas. Oh, professeur Albright. Oui. Pour des dents blanches. Très blanches. Yeah. Avez-vous réussi à trouver le livre? J'ai bien peur que non. Voilà qui est fâcheux. On pourrait en conclure qu'il a été volé. Professeur, ces documents sont uniquement disponibles pour consultation. Il n'est pas permis de les emprunter. Qui plus est, les archives ne sont ouvertes qu'à quelques personnes et nous consignons chaque accès dans nos registres. Je ne vois pas comment cet ouvrage aurait pu sortir. Un ouvrage disparu d'une pièce impénétrable. Allons chercher Sherlock. Il semblerait que nous ayons un vrai mystère sur les bras. Et les mystères de ce monde sont faits pour être élucidés. Du moins, c'est mon avis d'érudit. N'êtes-vous pas d'accord? S'il s'agit réellement d'un vol, il aurait mieux laissé la garde du palais s'en charger. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Mais je vois bien que vous ne serez pas satisfait avant d'avoir vous-même résolu cette affaire. Vous avez tout à fait raison. C'est une habitude dont j'ai le plus grand mal à me défaire. Lorsqu'on vous présente une énigme, je ne peux m'empêcher de tout faire pour en trouver la solution. Eh ben, ce n'est pas moi qui m'y opposerai. La vie d'un génie ne doit pas être facile tous les jours. Si vous saviez, Madame Mercedes. On me l'a déjà dit. Je ne peux le nier.
Ne vous inquiétez pas, je trouverai le livre en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Je l'ai dit. Très bien, merci. Je vous souhaite bonne chance dans vos recherches. Arigato gozaimasu. Bien, allons mener l'enquête. Mais par pas, on n'a pas regardé. Voyons voir. Témoignage, bien sûr que j'ai une clé des archives. Et non, je ne dormais pas. Je me reposais les yeux, c'est tout. Et même si je dormais, qu'est-ce que ça change? Quel crétin pourrait vouloir voler un bouquin sans valeur? Wow. La clé des archives, je ne l'ai pas. Mais ça ne me surprend pas qu'on ait fauché un livre, vu leur valeur. Ayant moi-même des dettes de jeu, je comprends qu'on soit tenté. Je vois, c'est fort intrigant. Seul le directeur Evol et le garde postal extérieur devaient avoir une clé des archives de la bibliothèque. Voilà qui est fort intrigant. En même temps, le directeur me fait pas vraiment... Comment dire? Et il donne pas confiance, quoi. Je veux dire, le mec a les yeux rouges, quoi. Arrêtez de faire croire que c'est pas un méchant. Ma grand-mère, elle voit bien que c'est un méchant. Née et élevée à Digden, cette vieille veuve visite désormais cet endroit chaque jour en souvenir de son feu mari. Inspirée par le bas-relief du roi et de la reine dans la bibliothèque de l'académie, elle souhaite passer l'éternité aux côtés de son époux. Voilà qui est fort intrigant. Un objet caché. La prune stimulante. Là il y a un donjon là. Vous le sentez ou pas? Regardez les planches en bois et tout. Ça sent les souterrains. Je pense que ça mène à la bibliothèque. Ding ding. Pardon, une classe, d'accord. À la prochaine. Une autre classe. Professeur, que enseignez-vous à ces élèves? Oui, bien sûr. Ça semble pertinent. Des bouquins! Mais y'a personne qui a des dialogues dans le jeu! C'est quoi tous ces PNJ à qui on peut pas parler? Oh yeah. Je suis un méchant! Attendez, attendez. Non, parce que sinon c'est pas suffisamment clair. Je voudrais surtout pas que vous vous trompiez sur la situation présente. Voyons voir. Témoignage, vous savez pertinemment que je possède une clé des archives spéciale, mais je ne suis pas inconscient au point de laisser tomber entre de mauvaises mains. Quoi qu'il en soit, cela fait un certain temps que je n'ai pas eu l'occasion de consulter les ouvrages qui sont entreposés. Voilà qui est plutôt intrigant. C'est Russell!
Non, il pensait que l'olive n'avait pas de valeur. J'ai dit que c'était Russell. Quand j'ai dit c'est Russell, il a dit non, c'est pas ça. Et bonne soirée à Lucard, et bon live à toi aussi, mon ami. Santé. Ah ouais, ça se passe comme ça chez McDonald's, quoi. Ah non, mais vous abusez, les gars, il y avait des planches à 4 secondes, quoi. D'accord, en fait, on observe les gens et ils nous donnent les places d'objets cachés, d'accord. Mandel, fournisseur de la famille royale, est très fier de ses marchandises. Roturier du roi, il refuse de servir les clients qui lui paraissent indignes de leurs achats. Un objet caché! Aucune marchandise, aucune personne franchissant la porte du palais n'échappe à l'intention du garde. On dit cependant que sa diligence n'a rien à voir avec sa loyauté, mais qu'elle révèlerait plutôt de son intérêt à faire prospérer son petit commerce illicite à destination des collectionneurs de souvenirs royaux. Du coup, en fait, vu que tu sais que c'est tous des connards, c'est à un moment, il va peut-être falloir les arrêter, non? Ouais. Il est fier de son travail de garde et n'hésitera pas à risquer sa vie pour protéger le roi. Lui, il est bien, lui. Ah, il y a un trésor. Du raisin. C'est pas pour faire la blague. Premier. Ce jeune homme s'introduit discrètement au palais pour y voler des objets de valeur et gagne sa vie en vendant le fruit de ses larcins. Et du coup, on apprend aussi que la reine a un cœur. Je te surveille, mort de rire. Non, vraiment, j'ai promis, je serai gentil. Du coup, on a appris que la reine avait un cœur, les amis. Je pense que c'est important. C'est chargé de la défense de la salle du trône. Il ne doit pas se quiconque mérite. Il tombe en dépourvu de son affirmation de ses proches. D'accord. Lui, c'est un nul. Et lui, ça doit être le mec compétent. Mais dans les bas quartiers du Isola, connu pour son habileté, ce garde protège désormais la salle du trône. Il est cependant victime de moqueries des autres gardes du fait de ses origines. Du coup, on sait aussi que ses potes se foutent de sa gueule. Du coup, ça peut être utile. J'étais sûr qu'il y avait des objets. Des objets. Ouais, c'est un petit peu comme s'il venait me donner l'autorisation de fouiller partout 15 fois. Un petit gobelet. Du coup, j'ai aussi chopé une rondache. Une rondache qui est une arme. Mais normalement, c'est une sorte de hache. Donc, je devrais pas pouvoir l'équiper. C'est ça. Du coup, dans mon inventaire, dans les armes... Ah non, c'est un bouclier. Ouais, une arme. Je suis un débile. Mais c'est pas grave parce que nous venons de récupérer notre première défense. Ce qui devrait nous servir dans la suite de nos aventures. Du coup, j'ai l'air con.
Mais ça passe. Après tout, mon pseudo c'est Albright, hein, les gars. Ah, il y a un objet en haut. Ah, il y a un deuxième objet en haut. Des babioles. Une grande plume. Tu sais où tu peux te la... pardon, excusez-moi. Attendez, il faut sauvegarder. Ils nous ont dit, le jeu est difficile. Sauvegardez, Bakel. Ne peut pas éteindre votre Nintendo Switch. Tu t'éteins pas. T'as compris? La 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 la. Un coffre. Du raisin. Oh oh. Alors, on commence. Alors, faible. Vulnérable, feu. Et du coup, on peut faire du feu. D'accord. On a de la glace et du feu. Il est faible face au feu. Cette musique est super classe, mais a le même problème que dans Pokémon. C'est la même dans toutes les grottes. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? On peut pas tout avoir non plus. Faut savoir accepter les petits défauts. Ah, du coup, même si je refais une attaque de feu. Comment on fait pour grimper l'exaltation là? D'accord. Par contre, ça a l'air super dur parce qu'en fait, je perds des vies super rapidement. Ah, mais je les regagne à chaque niveau, d'accord. Attendez, il y avait un coffre là-bas. Un coffre! Comment ça, on m'attaque par surprise? Comment t'oses? D'accord! Je viens de comprendre. D'accord, forcément ça rend le jeu beaucoup plus simple. Objet obtenu, aucun.